Bonjour à tous, bienvenue pour cette 44e séance. Aujourd'hui, une séance que l'on va effectuer à l'intérieur. Vous avez besoin d'un canapé ou d'un fauteuil pour réaliser les différents exercices. Ça va un petit peu changer, toujours sur le principe de Zeus, 40 secondes, 30, 20 et 10. Allez, bon courage à vous. On commence par course sur place et des squats. La limite de la descente, ce sera le canapé. Vous pouvez vous arrêter avant, ne descendez pas plus que l'horizontale pour votre cuisse. Allez, bon courage. Musique. Et le timer. Allez, on court sur place pour s'échauffer, attention. Allez, c'est parti. Allez, c'est facile là pour l'instant, on s'accroche, on s'échauffe plutôt. Bravo. Donc squat au-dessus du canapé. Là il est mal l'autre. D'ailleurs on cherche des sponsors. Hein. Si vous avez Roche-Beaubois à donner, à prêter, on est partant. À donner. Voilà. On aime bien le bubble. Donc celui-là est très bas, il est vieillot. Donc on descend pas plus, hein. Les fesses ne vont pas jusqu'à toucher l'assise. Ne vous faites pas mal aux genoux. Allez, c'est reparti. Et allez, voilà. Allez, 30 secondes de squat. Attention. Et on y va. Allez. Soufflez quand pour remonter. Pieds légèrement écartés en canard, hein. Les pieds écartés. Sur pour les squats. Allez, on y va. On y retourne. Allez, jusqu'au bout. Bravo. Dernière, 10 secondes. Entretien.
je souffre, je remonte. Bravo. Pour le prochain, je vais appuyer mon bras sur le canapé. Je suis comme une planche costale. Avec ma main, je viens sur le côté et je me redresse. Je viens et je me redresse. Ça donne ça, mais vous aurez un plan bizarre. Donc si je le mets, là j'ai la table. Pour être de profil, je suis appuyé sur mon coude, je lève, je viens, je tourne, je viens, je tourne. On appuie sur le canapé, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, départ en 30 secondes. Donc on va s'appuyer sur le canapé, on va être face à face avec Fanny, et on descend. Une fois côté gauche, une fois côté droit. Voilà, je suis en appui sur le côté, planche costale, je viens et je tourne légèrement. Mettez une légère rotation du buste, vous allez sentir. Voilà, en assurant les dorsaux, ça sera énormément sympa comme exo. Allez, on s'accroche. Yes. On retourne. On cherche un canapé, s'il vous plaît. Allez. Soyez bien alignés, bien gainés. On a un côté plus facile que l'autre. C'est normal. Même principe que la planche. On sent que ça travaille au niveau de la taille. Cette partie et les dorsaux aussi. Le fait de mettre une légère rotation. C'est pas Fanny qui s'écroule, hein, c'est le canapé qui s'affaisse. Bravo. Soyez bien aligné. Hein. Allez, on y va. Allez. Regardez votre main. Vous pouvez regarder le trajet de la main, ça met de l'amplitude encore plus dans le mouvement. Bravo. Allez, deux dernières séries.
secondes. Parfait. Baisse un peu le son. Le dernier des triceps. Le dernier. Exercice suivant, les triceps. Fanny donc va travailler les triceps en ayant les pieds par terre et les mains sur le canapé. Et moi, je vais me mettre les pieds en contre-haut pour avoir un petit peu plus d'amplitude sur le mouvement. D'accord? Et le deuxième, c'est mountain climbing. En mettant les mains sur le canapé, je cours. Je pousse, j'ai les deux pieds, je fais ça. Voilà. Mountain climbing. Excusez-moi, Marie, pour l'accent anglais. Et on le fait en étant en appui sur le canapé. Allez, 15 secondes. Allez, c'est parti. Attention, 40 secondes, c'est long de triceps. Hein. On souffle quand on remonte. Climbing en appui sur le canapé. Allez, 5 secondes, on y va, allez, allez, allez. C'est un peu plus facile que quand on le fait au sol, et pas évident non plus. Nous, on met les mains sur l'assise, voilà, sur le support du canapé, un peu plus dur. Yes.
Allez, on s'accroche, on lâche pas. Ah, il y a le canapé, mais les exos sont difficiles quand même. Allez, 10 secondes, on va être d'amplitude. Allez, les fesses qui vont toucher le sol. Et je souffle quand je remonte. J'aime aussi les triceps, bravo. Allez, on va finir sur les abdos. Très bien. Dernier les abdos, donc là on est dans le canapé, on en profite. On est dans le canapé, je plie les jambes et je les ramène. Le premier, adossez-vous, hein. Bah, c'est en rétroversion, c'est-à-dire que le dos il doit être rond et non pas cambré. Je suis carrément au fond de mon canapé, je tends les jambes et je les ramène. Ça c'est le premier. Et le deuxième, je lève et je descends. Je lève et je descends. Bien vautré dans son canapé. Vous pouvez mettre les mains derrière, c'est en fonction de son assise pour vous tenir. L'idée c'est de ne pas se faire mal au dos, d'avoir le bassin donc en rétroversion comme ça pour ne pas se cambrer et se faire mal au niveau des lombaires. Allez, 15 secondes. On va aérer un peu. Donc roche beaubois, un bubble, ça nous ferait vraiment plaisir. Peu importe la couleur, on s'adaptera. Allez, c'est parti. Ouais, tenir derrière, c'est sympa. Allez. Respirez. Deuxième, on relève les jambes. Les mecs dos, on va relever les jambes. Moi, je me bien, là, je tiens derrière, Fanny a les mains calées devant. L'idée, c'est d'avoir le dos bien bloqué quand même. Voilà. Allez, allez. 20 secondes. On a fait la moitié. C'est trop difficile, vous faites le même exo, les jambes légèrement pliées. On est bien dans le canapé, hein. En place pour l'apéro. Allez, 2 secondes, c'est parti. N'allez pas tendre les jambes, restez les jambes pliées. Jouez sur l'amplitude du mouvement. Allez. On est bien là. On bouge plus. Allez, c'est reparti. Allez, 5 secondes. Expirez.
C'est assez traître hein, comme exo. Hein. On sent confortable sur le haut du corps et du coup, ça sollicite énormément les abdos. Et les psoas-ciliaires calimateurs de la jambe. Allez! Allez, dernière. Allez, 10 secondes. On envoie. Allez. Yes. Allez, allez, allez. On s'accroche. 10 secondes, mettez de l'amplitude et de la rapidité sur la dernière. Ouais. Oh, ça fait du bien, finish. Alors, les étirements, bon, les abdos, vous connaissez, les quadris, on est là, on peut se tenir, si vous êtes équilibré, pas besoin, mais vous pouvez vous tenir, et l'idée, c'est de ramener son pied en arrière, sans se cambrer, en collant les genoux, sans décoller les jambes, d'accord? De face, je suis comme ça, de côté, ça donne ça, et c'est cette action-là. On doit étirer sur le côté, le temps d'une expiration. Je souffle, et je ramène, ça étire devant, d'accord? Pour les abdos, vous avez des exos, en faites régulièrement. Vous pouvez, voilà, comme fait Fanny, prendre les mains, tomber à gauche, laisser à droite, tranquillement, parce qu'on a bien travaillé les obliques en début de séance. Merci à vous et à demain pour la suite. Salut !